Alors, tout ce qui nous arrive pour un objectif précis. L'important, c'est de savoir ce que vous en faites, qu'est-ce que vous gardez comme leçon ou comme conséquence, ce que vous apprenez, en tout cas de vos expériences, et c'est cela qui vous forme. Et si vous avez besoin d'un guide, vous avez le mot Fiala, le guide tout-puissant, c'est-à-dire notre Dieu, pour vous donner les conseils, pour vous mettre sur les bonnes voies, pour vous accompagner et surtout pour vous bénir. Bonjour, chers amis téléspectateurs, et bienvenue dans la pause. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, et comme vous le savez, jeudi, cette émission vous permet d'avoir des conseils techniques en mécanique avec Miss Mécano. Vous avez également Monsieur Slam, notre monteur ambulant qui est encore à la maison aujourd'hui pour nous parler de Slam, pour nous faire voyager dans les méandres même de cet art-là. Et nous allons revenir avec ce qui nous énerve grâce à notre Dove qui est à la maison également aujourd'hui et qui nous a ramené de petites situations qui certainement vous énervent mais dont vous n'avez pas la possibilité de parler aussi facilement. Dans cette même émission, nous allons parler de tout ce qui se passe sur Internet et n'oubliez pas la partie ou l'une des parties les plus intéressantes, c'est quand maman Suzanne est avec nous, avec beaucoup de bénédictions, de sourires, avec beaucoup de sagesse également, pour nous dire ce qu'il faut faire comme bon choix dans notre vie de couple, dans notre vie professionnelle ou même dans notre vie sociale. Voilà, le décor est planté, je voulais dire le planté est décor. Le décor est planté. Mais le ça, planteur est décoré. Bonjour Dov, comment ça va? Bonjour Sian, ça va et toi? Je tiens bon maintenant que le décor est planté pour demain. Bonjour Sandrine. Bonjour Sian. Alors comment ça va ce matin? Ça va super bien et heureusement que j'ai tenu ma promesse pour les téléspectateurs. Cette promesse-là, voilà. On va revenir là-dessus. Oui. Oui. On va reparler de cette histoire de permis de moto. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, il y aura des informations plus précises. Bon, pour le petit bonheur de tout le monde. Voilà, alors on va revenir sur quand même le sujet, le permis de conduire moto, pourquoi ça crée tant de polémiques, pourquoi les personnes n'ont pas les vraies informations. Alors cette émission aujourd'hui, et grâce à Miss Mécano, vous aurez les bonnes informations comme cela se doit avec des personnes ressources justement pour vous informer. Alors, menteur ambulant, yes, comment tu vas? Je vais super bien. On voit bien ça. Il se dit le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Alors, ceux-là, ils ne vont pas à l'église. Tu sens ça, même bien habillé, que le Seigneur est merveilleux. Quand tu as la bien alcoolisée devant toi, le Seigneur est merveilleux. Ah bon? Voilà. Oui, 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 clairement. Maman Suzanne vient de valider. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler des heureux anniversaires, les Damiens. Oui. Et après les Damiens, on va parler de Dambé. Dambé, c'est l'histoire de Aya Sissoko, une bosseuse franco-malienne, qu'on va relater en mode résumé slamé. Voilà. Voilà. Alors, on va revenir un peu sur du slam. Mmh. Comme le dit quand même la rubrique Biz Art, nous parlons de tout ce qui est bizarre, mais qui est artistique en tout cas. Un bon brassage. Et nous allons avec Dove partir à la découverte de tout ce qui nous énerve. On a combien de sujets aujourd'hui rapidement? Aujourd'hui, on va traiter, je crois, de 3 à 4 sujets rapidement. Des sujets qu'on côtoie chaque jour avec nos proches, en circulation, avec des gens, des amis. Tu vois, on va essayer de brosser ça rapidement et parler de ce qui nous énerve. Justement. Donc, parler avec un ton quand même de politesse, de désinvolture. Avec beaucoup de sourire aussi. Sourire, hein, ça peut énerver. C'est pas la guerre, tu vois ce que je veux dire? Bon, après, il faut que ce soit un moment fun entre nous. Voilà, ouais. Tout simplement. Alors, le sujet qui a été lancé en début de semaine, hein, qu'est-ce que vous auriez choisi s'il était question de faire un choix entre un homme qui vous bat et un homme qui est infidèle? Et c'est à vous de voir, mais vous avez été nombreux, ou sinon nombreuses, hein, parce que ça concerne quand même les femmes, à choisir celui qui trompe plus que celui qui bat. Et pour d'autres, c'est celui qui bat plus que celui qui trompe. Maman Suzanne vous dira si l'un ou l'autre vaut vraiment la peine qu'on puisse faire un choix par rapport. Et on va la retrouver dans Pause Conseil tout à l'heure. Mais tout de suite, nous allons partir avec le guide tout suprême, Mon Fiala, avec Blessing. Et on revient juste après. Voyez Mon Fiala. Mad.
Pour vous souhaiter une bonne journée ce matin et surtout souhaiter un bel anniversaire à tous les Damiens et à toutes les Damiennes qui aujourd'hui soufflent une bougie de plus. L'émission est lancée. Vous savez quoi faire si vous avez envie d'y participer en envoyant tout simplement ou vous envoyez tout simplement un message sur le numéro qui est affiché au bas d'écran, le 96 06 06 06 pour participer. Vos messages sont là, il y en a tellement et je vais lire celui-ci rapidement. Bonjour La Pause, aujourd'hui vous aviez parlé parler de Maria Mobile. J'aimerais juste savoir si elle sera sur le plateau de la TVT le vendredi. Oui, effectivement, Maria Mobile et Jonathan, son fiancé, seraient là dans cette émission demain pour clôturer la semaine en beauté avec nous. Et si vous avez d'autres questions ou même envie de participer aux rubriques de cette émission aujourd'hui, le numéro est affiché. Donc, vous savez déjà quoi faire. Nous partons pour Biz Hard Jingle et on revient juste après. Damienne, en tout cas, joyeux anniversaire à vous. Je sais qu'il y a une Damienne qui nous regarde présentement, qui est une femme merveilleuse, chaleureuse, belle comme tout. Alors, joyeux anniversaire à toi si tu nous suis et surtout plein de bonheur dans ta vie. Et nous partons pour la crostiche. Ah oui. Mm-hmm. Et ta Damienne, elle est, c'est une femme ou bien c'est... Oui, c'est Damienne. Avec une Damienne. À la fin, c'est une okay. femme. Ok, Damienne. Moi, je fais la crostiche de Damienne. Ok. Damien s'écrit D-A-M-I-E-N. Damien. D. Directeur charismatique. Donateur express de bonne humeur. A. Aristocrate chevronné. Amoureux aveugle. M. Monolithe vivant. Mûr comme fruit. I. Incontestable artiste. Irréversible par sa beauté. E. Endurant comme un cheval de pure race. Envergure très large. N. Nationaliste, engagé et dur
comme la Judas qu'on va recevoir tout à l'heure. No, ça, j'aime bien. Hein, parce que ça lui a arraché un sourire tout de suite. Il ne s'attendait même pas à celle-là. En tout cas, on ne s'attendait pas non plus à l'intervention de Jeff qui est sur ce plateau avec nous. Bonjour Jeff. Bonjour Océane. Bonjour à tous les téléspectateurs. Comment ça va ce matin? Super bien, comme un Togolais aux Champs-Élysées. Ah, ok, d'accord, parfait. Alors, on a quand même l'acrostiche des Damiens. Je pense quand même que ça va tout droit également à l'endroit de toutes les Damiennes. C'est votre anniversaire aujourd'hui et c'est notre manière à nous de vous dire bonne fête avec toutes les grâces et avec un peu de chance, maman Suzanne vous fera une prière hein, parce que c'est tellement bien là à faire cette prière. La maman Suzanne, vous allez nous offrir une prière tout à l'heure. Hein, maman Suzanne, vous allez nous offrir une prière, non? Bon, d'accord. Alors, bon, juste, maman Suzanne a dit non, pas pour la bière alcoolisée, mais c'est une bière sans alcool. Voilà. On va tester pour voir. Bon, alors, il faut expliquer la présence justement de ces bouteilles hier sur le plateau. Mentor Ambulant va lancer tout à l'heure un petit jeu à l'endroit de nos chers amis téléspectateurs et vous avez la possibilité de partir avec ces packs-là pour fêter les Damiens et Damiennes aujourd'hui. C'est juste un cadeau, c'est pour vous. On les a apportés ici pour vous faire plaisir. Donc, envoyez vos messages, soyez nombreux, participez et on va envoyer tout à l'heure la question pour leur permettre de jouer. Tout à fait. Avant d'aller à la question de jeu, nous allons parler de Aya Sissoko dans Dambéling. C'est une bosseuse franco-malienne. Et le bouquin parle de sa vie, de son histoire, que nous, on a résumé en version slam. Et l'histoire a été écrite par Marie Desplechine. D'accord. Jeff. L'histoire a un problème avec l'Afrique. Et le contraire n'est pas vérifié. Depuis la nuit des temps, bien avant que les deux blocs ne soient unifiés. Cette pensée ne vient pas de moi, enfin, moi je n'ai fait qu'un plagiat. C'est avec un pied à Paris et l'autre au pays des Malinké que je vous parle aujourd'hui de Sissoko Aya. Aya Sissoko est cette merveilleuse créature, née noire au pays des Blancs. Ses parents ont débarqué très jeunes sur le plus vieux des continents et ont laissé quatre gosses dans ce beau monde au 140e de Belleville-Ménilmontant. Nous sommes dans la période d'après-guerre, à la seconde moitié du XXe siècle, où la vie des nègres de l'autre côté de la Méditerranée est loin d'être un spectacle. Aya Sissoko, la famille Sissoko tout entière, vivait dans une banlieue, dans une pièce d'environ 20 mètres carrés, au 22 de la rue de Tlemcen, pour ceux qui connaissent Paris, dans un foyer des nègres ouvriers qui vivaient modestement entre épouse, enfant et mari. Finalement, un incendie meurtrier a réduit les Sissoko en une famille monoparentale. La perte du père et d'un frère d'Aya Sissoko a bouleversé leur histoire en un je ne sais pas quoi, un peu plus fatal. Bannis de leur société, de leur communauté, comme Govou dans le Roi Lion, la mère d'Aya, Massiré Dansira, doit s'adapter afin de s'occuper de ses enfants comme un caméléon. Et Aya Sissoko, quant à elle, elle grandissait rapidement, légèrement, et sans aligner des erreurs, elle vit son heure, focus comme un tireur, et ça se sent dans ses membres, une personne très sombre, avec une passée bien sombre. Au destin qui s'acharne, on ne peut opposer que la ténacité et le recommencement. Devenue boxeuse internationale en 2006, elle vivait entre gloire et perpétuel questionnement. Saviez-vous que exceller dans la vie sans échec nous plonge dans une réalité presque embarrassante? Et surtout, réaliser ces mêmes rêves vous plonge dans un univers un peu plus chiant? Mesdames et messieurs, c'est bon d'avoir des rêves, des passions, mais gardez en tête que la passion s'arrête, mais la vie continue. Imaginez l'espoir de toute une vie, le rêve de plusieurs années, réalisé en une fraction de seconde. Ça vous montre à la fin que vous n'êtes quand même pas heureux. C'est ainsi qu'il faut garder l'espoir, il faut garder les rêves, il faut garder les passions, mais ayez toujours une vie. Aya Sissoko a compris cette histoire de ses coachs et a tenu bon à garder la tête sur les épaules au-dessus de la poitrine, les poings au bout des bras et à garder sa vie et marche sans aligner d'erreur. Elle ne sème pas la terreur, elle profite de son heure et focus comme un tireur et ça se sent dans ses membres, une personne très sombre avec un passé assez sombre. Dambé signifie littéralement dignité.
issus des malinqués qui préfèrent mourir à la guerre que de revenir vaincus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans une centaine de pages, découvrez l'histoire complète de Aya Sissoko dans Dambé, le vilain poète au service du beau. Jeff. Merci Jeff, merci beaucoup. En tout cas, hein, j'ai oublié peut-être de vous le dire, mais Jeff, c'est l'as même de du résumé littéraire le plus parfait, parce qu'il passe à travers ses mots et il passe à travers toutes ces situations qu'il crée dans sa tête juste pour vous parler de ce qu'il y a dans un ouvrage. Ouais. Mais si vous ne faites pas attention, vous n'arrivez pas tout de suite à capter. Mais si vous ne captez pas, ben, ça ne coûte rien d'aller acheter l'ouvrage. On peut le trouver où, s'il te plaît? On peut le trouver dans tous les grandes librairies, bon pasteur, et ceux qui sont de l'autre côté, c'est à Paris, dans toutes les librairies là. Voilà, dans toutes les librairies. Oh. Et Dembe, c'est écrit ici, au destin qui s'acharne, on ne peut opposer que la ténacité et le recommencement. Oh. Tout simplement. Merci beaucoup, Jeff. Merci. Tu l'as bluffé, je te dis en même temps. Il était séduit. Qu'est-ce qui t'a énervé? Tu l'as scotché, quoi. Ça m'a fait un roman, en plus. D'être bluffé, hein. Ouais, tu vois. Tu as ce sens de l'oratoire qui est en fait ton entrée. Tu as parlé avec passion, on a senti qu'il y a une âme derrière, tu vois, c'était juste pas un résumé, un truc dit, tu vivais ce que tu disais, et moi c'est ce qui me parle en fait, c'est l'émotion que ça crée quand tu dis ton texte. Et du coup ça m'a mis d'emblée quelque part, je me suis dit, je te vois très bien à mon prochain spectacle, je suis de carte blanche, je me dis, tu vas faire un carton. 20%. Bon, étant donné que c'est moi son manager, nous on prend juste 10%. Il n'y a pas beaucoup de négociations à faire. Tout de suite, là, c'est 10%. Vous êtes d'accord, monsieur? Ah, sans discuter. On parle des cachets des artistes. En plus, il faut revoir notre cachet à la hausse. Ah, ouais. Merci beaucoup. Allô. Alors, un message. Bonjour, la pause. Je vous souhaite une bonne émission. Seulement, j'attends l'invité qui va nous parler du permis de conduire pour ma question SMS signée par Thomas depuis Akodesewa. Et je sais qu'ils sont nombreux à attendre justement qu'on parle de ce permis de conduire là. Mais tout de suite, nous allons partir avec la plage pub couplée de l'intermède. Et juste après, on va retrouver notre Wiz pour voir ce qui se passe sur Internet. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00 228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseemissiontv@gmail.com. Voilà, Malou et Villet
de Manuel Lier également pour vous souhaiter un bel anniversaire. Et ce message-là qui nous vient tout de suite, qui dit « Damien vit chaque jour de sa vie dans un esprit combatif. Toutes les épreuves de la vie constituent pour cette personne un véritable carburant qui pousse à se déplacer encore plus. Les Damiens mobilisent toute l'énergie pour atteindre leurs objectifs et font preuve d'une grande volonté, quels que soient les obstacles. La personnalité de ces individus les rend aptes à occuper un rôle de dirigeant ou de leader qui leur vont tout simplement à ravir. Damien est aussi en quête d'autonomie et d'indépendance et ce besoin de liberté peut se manifester jusque dans ses relations sentimentales. Enfin, Damien déteste la possessivité et la jalousie. Son partenaire devra donc faire preuve de tolérance. Et d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose à craindre car on ne fait pas d'être plus loyal que l'individu qui porte le prénom Damien. Et c'est juste pour souhaiter un bel anniversaire à tous les Damiens. Voilà. Alors les gars, notre menu est revenu à la maison. Bonjour mon menu. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va très bien. Dis donc, tu souris bien aujourd'hui toi. Oui, beaucoup d'énergie, comme d'habitude. Ah. Ne touche pas à ce qui est en face de toi. Hein. Mais oui, j'ai bien dit ne touche pas à ça, tu déposes. Ok. Voilà, c'est bon. Tu as suffisamment d'énergie comme ça, il ne faut pas aller chercher encore. J'ai tout à l'heure vérifié, c'était à 10% de tout. Moins 10, hein, moins 10. Et puis, ce n'est pas pour nous, c'est pour les téléspectateurs. Ils sont en train d'envoyer des messages. Alors, on va rappeler quand même le jeu, Rapidos. Voilà, c'est très simple le jeu. Il suffit d'envoyer 4 ou 5 noms des rubriques de la pause. 4 ou 5 noms de rubriques de la pause. Préférés ou pas? Non, c'est trop facile. 4 ou 5, on verra s'ils vont trouver. C'est quand très tu vas voir que personne va citer 5 que tu Et avec ça, vous partez avec. On a plein de packs. Voilà des bouteilles de fax. Des petites mini bouteilles. Oui, juste pour vous permettre de tester quand même cette boisson-là et vous faire plaisir. Mais c'est surtout pour souhaiter un bel anniversaire. Oui, c'est à pour tous Damien. Ceux qui aujourd'hui souffle une bougie de plus. Il n'y a pas que les Damiens et les Damiennes. Hein. Ça, je te dis. Tu en connais, toi, une Damienne Non, moi, je connais une Damienne qui est trop sage. Hein. Devant toi ou bien toujours? Je suis même surprise qu'elle ne soit pas une soeur religieuse. Très tellement. C'est Damienne, c'est Alléluia. Faut pas faire confiance aux gens qui sont trop sages comme ça. Ça cache quelque chose. Ah, hein. c'est pas bien. Maman Suzanne est dans le studio. Quand elle va arriver, il faut répéter la même chose. On va voir si tu pourras te garder. Allez, voilà. Alors, on continue. Qui fait quoi sur le net? On va faire un tour rapidement sur les tabloïds pour voir les informations de dernière minute. Effectivement, hier, on avait démarré, on a parlé, on a quand même introduit des sujets. On a parlé, bien sûr, de Maria Mobile, vous la connaissez très bien, qui est bien sûr annoncée pour le vendredi demain. Voilà. C'est qui, Maria Mobile? Maria Mobile, c'est une dame, là, qui flatte, c'est une influenceuse. Togolaise, il faut préciser. Ah, togolaise. C'est le jambon, comme ça. Effectivement, le jambon. Donc, elle est annoncée, hier, on a passé une vidéo pour quand même la présenter brièvement, sobrement, pour que demain on l'accueille avec beaucoup d'engouement. Justement, avec son mari, bien sûr. Son mari ou son... Son mari. Son mari. Oui, son mari. Marié. Son mari. On saura demain de toute façon, parce que ça fait partie des questions des téléspectateurs, savoir justement comment... Parce que beaucoup de gens peuvent s'embrasser quand ils ont une mariée. Oui, bien, on saura demain, puisqu'ils seront là, on pourra leur demander. Elle sera là avec Jonathan. Jonathan Morrison. C'est comme ça qu'il s'appelle. En tout cas, c'est son... Je peux l'embrasser pour voir. Non, je ne pourrais pas. Je vais éviter le choc. Attends, parce que je peux être là comme ça et son mec là, elle me voit, elle m'embrasse, je dis non, son mec, tu vois ce que je veux dire? Je veux pas. Seulement l'adjudant pouvait être là demain pour éviter un crime. Ce serait bien. Voilà, allez, on continue. Effectivement, pour ne pas dire son gérant, voilà, ils seront là demain. Alors, oui, son gérant. Exactement, son gérant. Son gérant. C'est un établissement. On y va, on continue. Voilà. Hier également, on a parlé de Edoxiao, l'influenceuse ivoirienne, qui a aussi reçu une statuette par rapport et à... Et une claque aussi, après. Ah oui, une claque, voilà. Justement, on envoie la vidéo et vous allez voir comment est-ce qu'elle a reçu la statuette et comment est-ce que cette claque l'a également reçue. Vidéo. Yeah.
cadeau que j'aimerais avoir un jour dans ma vie ça, pour me souhaiter joyeux anniversaire. On revient sur Doxy Yao d'abord. Parce que moi, je crois quand même qu'après une chute pareille, on doit assigner l'organisateur en justice le tapis rouge sur lequel elle était passée aussi. En justice, on effectivement, parce qu'il ne faut pas mettre des tapis rouges n'importe comment aussi. Ça glisse ce truc-là quand même. Mais je oui, clairement, pour de petits détails. Et je pense que c'est le poids qu'a reçu le tapis qu'a... Voilà, c'est... le tapis a répliqué juste ce mot. Le jambon était dodu. Anyway, on va revenir sur la troisième, le troisième sujet. On a vu Cyril Hanouna. Voilà, on a vu effectivement Cyril Hanouna, c'est ce dont je parlais. C'est le plus beau cadeau que j'aimerais avoir de... avant de partir, hein. Avant de survivre. Avant de survivre. Pas de partir, avant de survivre. Ok. C'est quoi le cadeau d'abord? Cette grosse bise comme ça. À quelle occasion? Parce que lui, il reçoit toujours des bises. Voilà, c'est ça. Ça, c'est pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Voilà, au cours de son émission, comme ça, là. C'est et ça. Elle, c'est qui? Ça a duré un peu plus de une minute. Elle, c'est qui, justement? Elle, c'est, voilà, c'est une chroniqueuse. C'est Kelly. Bon, après, c'est des envies refoulées pendant longtemps et on profite d'un jour On comprend tous quand Wiz insiste sur le fait qu'il aimerait avoir ce cadeau. Mais c'est ça, c'est le meilleur cadeau. Toutes les filles qu'on a en plateau. Oui, c'est quoi la doléance? Est-ce qu'on peut prendre ça là comme thème la semaine prochaine ou en tant qu'animateur ou animatrice télé, et tu peux embrasser une autre personne en direct. Si. Est-ce que ta femme ton mari peut penser à la même Maman. On va demander à maman. Elle a déjà répondu, maman. C'est pas permission, c'est si. Ça passe. Non, mais après, ça c'est. J'ai bien envie de faire ça ici. N'oubliez pas qu'à un moment donné, la télé, c'est aussi un jeu de rôle parfois. Donc après, ça peut être un jeu d'acteur, ça peut être. Oui. Quand tu es dans un. Ça peut être une mise en scène, ça peut être n'importe quoi. Après. Bon, j'aimerais être l'acteur principal. Hein. Voilà. Alors, mais oui, l'expérience. Une chose est certaine, c'est que dans cette émission, jusqu'à la fin de cette année, il n'y a plus d'anniversaire, c'est bon comme ça. Et... Non, mon anniversaire, c'est tout récemment. Et c'est l'année prochaine, on connaît ta date d'anniversaire. Alors, on va revenir quand même sur notre Maria Mobile qui demain sera dans cette émission. On a eu une petite vidéo qu'il a annoncée. Une petite vidéo aussi, voilà. La régie, on part avec la régie, on regarde rapidement et puis on revient. Rapidement, on l'apprécie, on l'admire encore une fois. Et ça donne envie à tout le monde de se faire aimer ou d'aimer aussi en retour. Alors, notre Wiz, on va clôturer la rubrique aujourd'hui avec quoi? Là, justement, on va clôturer avec un pasteur. Mais oui, un pasteur, mais je vais le dire comme ça, mais on n'aimerait pas dévoiler quand même son image. On ne va pas quand même dévoiler son image, on va en parler quand même. Qui reçoit de l'argent de ses fidèles pour quand même faire parvenir ses fidèles au paradis. Fine. Oui, c'est ça. Donc, c'est très important. Very, very, very c'est très fine. Délicat. Je voulais 40 euros de visa. C'est combien? Est-ce qu'on peut le dire? Oui, le montant. Combien, après, ils vont la place à combien? Et... Guichet fermé? Ils vont la place non, à c'est combien? Non, c'est pas guichet fermé. Aide-moi. Quoi? 50 000? Ah, oui. 50 000. 50 000. Effectivement, 50 000 francs. Lui, il a vendu le paradis cher. Il vend la place au paradis à 50 000 francs. Qui a acheté même 2 000 places? Si. Ouais. Mais moi-même, je peux acheter 1 million de places. Moi, je vois. Qui vend ça? C'est quel pasteur? Pas moi, elle va l'acheter. C'est au Zimbabwe. En fait, on est nombreux. Mes oncles, mes tantes. C'est au Zimbabwe. 50 000 la place. 50 000 quoi? C'est pas. 50 000 francs.
tu fais, tu arrives et puis tu dis, bon, je prends la réservation pour trois générations. C'est tu peux payer. C'est cosmique. Ma progéniture est assurée. Donc, on demande à ce que, voilà, quoi. En tout cas, tout le monde peut aller. Moi, je peux même augmenter, je peux même dire 150 000 francs pour que là-bas, là, ça soit bien garni, ça soit bien protégé, climatisé, ça soit bien décoré. Et tout le reste, si tu veux. Je t'assure. Non, mais sérieusement, on aurait tout vu quand même sur Internet. Yeah. J'espère que c'est une blague, mais si c'est dans la réalité. Non, c'est pas une blague, hein, c'est une réalité. Hein. C'est pas cool, ça. Oui, c'est une réalité. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Et puis, demain, là, oui. Pour clôturer, pour dire que demain, on verra qui d'entre Jonathan Morrison et moi, Maria Mobile, choisira. Ah, bon, si tu veux aller sur cette guerre-là, qui est-ce que Maria Mobile choisirait entre Jonathan et Wiz? On verra bien. D'abord, il restera à la porte. Ouais. Il faudra le laisser rentrer dans la porte. Non, en fait, c'est ça le truc. Il faudrait qu'il arrive jusqu'ici. Ouais, il restera à la porte, on lui dira que. Oui. C'est quand même assez drôle. Hein. Justement, moi je suis chroniqueur, lui il est footballeur. On va voir le deal demain, on va voir ce que ça va donner. C'est un vrai duel en tout cas, mais je sais que toi là, tu n'es pas. Bon, bref, je ne parle pas beaucoup. Comment ? Oui, Dov va te soutenir avec les muscles et toi tu vas parler tout simplement. Tu as tout nos soutiens. Mais en tout cas. On va t'apporter tellement de soutiens des gens là, ouais. Ils vendent ça plus là-bas, les soutiens. Et où il y a ça ? On t'amène ça tellement. On ne parle pas de la même chose. Allez, on continue cette émission. On va partir maintenant pour ce qui m'énerve. Vous allez retrouver notre cher Dov, mais avant intermède, et on revient juste sur le plateau. Quand même les cachets trop bas, on a vu les coups de gueule sur les réseaux sociaux, les personnes qui se cachent derrière les connexions de 200 et qui font la loi ou bien qui donnent des leçons de morale à tout le monde. On a vu tellement de choses, des personnes qui n'attrapent pas les portes quand d'autres personnes sont derrière elles. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, on voit quoi? Aujourd'hui, dans ce qui m'énerve, on va parler de quatre petits sujets qu'on coûte chaque jour et qui nous énervent tellement qu'on n'a pas souvent l'occasion d'en parler, du moins en public, parce qu'il y a des thèmes qui sont, on se dit, on grogne, on se fâche, on reste entre nous. Mais là, le premier sujet qui m'énerve, ce sont les gens qui sont en voiture et qui se croient toujours supérieurs à ceux qui sont en moto. Ça, c'est un truc. Ça, tu as vu quand tu es en voiture? Au feu rouge, gonflé, il faut que j'enlève les lunettes comme ça. Un peu trop gonflé. Bon, bon, bon. Ouais. Un gars que tu connais, il passe sa moto, il te salue. Tchalé, comment ? Yeah. Ça là, il n'y a pas de truc. Tu vois, et il y a autre chose, quand il pleut, le gars qui a voiture, tu penses que là tu as la priorité, celui qui a moto, il passe. Le gars qui a moto roule doucement, il évite l'eau. Le gars à voiture passe, il éclabousse, il ne s'arrête pas, il ne s'excuse pas. Et même au feu rouge, tout le monde croit qu'il a la priorité parce qu'il est en voiture, et que celui qui a moto. Alors que généralement, tu vois, et ce petit esprit, cette impression de condescendance, de supériorité, quand tu es dans la voiture, tu vois ce qu'il dit ? Tiens, tu es dans une. Tu es dans une Range Rover et tu es un gars qui est dans une Carina 2 et tu le méprises presque, genre. Ce que je dis, c'est sérieux. Et parfois même le gars qui est dans la voiture, il est sur la Range Rover, qui est dans sa petite Carina ou sa Mini Cooper, il voit un gars en moto ou une fille en moto, il snob. Pourtant, le gars qui a la moto, peut-être ses trois maisons gardées quelque part avec son terrain, il passe devant chaque jour. Toi, tu as fait l'emprunt à la banque pour acheter une voiture, juste pour qu'on te regarde, tu vois ce que je veux dire? Mais après, tu es là, c'est juste que tu dis, il faut arrêter à un moment donné cet esprit de supériorité, cette impression de ce complexe de supériorité. Parce qu'en fait, la voiture, c'est un luxe pour certains, c'est un luxe, c'est quelque chose de nécessaire, mais c'est pas une fin en fait. C'est pas une fin. Donc, du coup, c'est pas une fin. On peut très bien se passer de voiture ou ne pas avoir de voiture, être quand même quelqu'un de respecté et de respectable. Ce qui m'énerve par contre, oui, monsieur, c'est le deuxième point. Les gens qui sont en moto et sans casque, ça c'est un truc qui me tue. Bon, les Emmy Diamant eux-mêmes, les propriétaires, ça dit, on parle du passager. Toi le passager, tu sors, tu n'as pas de casque.
Tu vois ce que je dis? Tu montes sur une moto. Dit. Quand on connaît le taux de mortalité qu'ils font les MZMJ aujourd'hui, sans compter ceux qui prennent cette tramadol, dramatologie. Donc, bref, sans compter ceux qui prennent le tramadol et qui se droguent à d'autres substances dont on ignore le nom. Hein, après, les bons sodabi, vitivi, café. Tout le reste. Vitivi, c'est quoi? Café rhum. Tu prends, tu fais. Le gars, il a les yeux rouges. Hein? Tu prononces bien. Mais on dirait qu'il connaît. Ils sont habitués les petits rideaux blancs. Monsieur l'adjugant, si on finit l'émission, vous pouvez l'emmener. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'il faut vraiment, n'est-ce pas, qu'on commence à mettre sur pied cette histoire d'Alcotex. Parce qu'il y a plein de gars qui sont à Zébidjan, ils sont défoncés la mer. Et puis tu montes la moto, tu es juste là. Et à chaque fois, à chaque virage qu'il fait, je te demande à quel moment je quitte ici. Tu vois, à quel moment je décolle. Parce que les gars, ils ne sont pas, tu vois. Ils ne sont pas en équilibre. Ils ne sont pas en équilibre. Ouais. Donc, du coup, de grâce, mettez des casques quand vous sortez. Parce que quand vous tombez d'une moto, vous êtes en même temps la carrosserie, en même temps le ressort, tout ce qui va avec. Et croyez-moi, c'est vachement l'air. La dernière fois que j'ai vu à la scène moto, le gars il cherchait sa jonchiste qui était de l'autre côté de la route. Donc faites très attention, mettez des casques. Ça ne vous protège pas de la mort, mais ça réduit les dégâts. Voilà. Si jamais il y a un choc, c'est pour vous. Si vous ne pensez pas à vous, pensez à ceux qui sont à la maison, qui vous attendent, qui comptent sur vous. C'est vrai. Donc voilà. Et le troisième point qui m'énerve, on en parlait tout à l'heure. C'est les pasteurs qui se croient supérieurs à Dieu. Ah. Pourquoi on comprend un pasteur qui va à la place au paradis, mon frère? Imagine le nombre de pourcentage qu'il a négocié avec Dieu. Dis, ah, Dieu, j'ai un business. Je vends la place, je prends mes 30%. Dieu dit non, petit frère, 15%. Le gars dit non, 20%. Je dis, bon, fais le business. Tu vois, il dit, donc le gars va la place à 50 000. 50 000. Et il y a des gars qui se lèvent quand même pour aller acheter. Ils ont dit, je comprends pas. Il y a des gars qui achètent. Et Dieu, la place. Seigneur, est-ce qu'il me tue encore? C'est les pasteurs. Les pasteurs, généralement, ils commencent pauvres, mais ils finissent tous riches. Mon gars, il est assis, il s'assoit. Moi, je suis une fois à une église, il y a une voisine qui m'a forcé de venir, me fait de venir voir la délivrance. Mm-hmm. Tu vois, moi, je crois en Dieu. Hein. Plus fort que beaucoup de personnes le croient. Oui. Beaucoup, je crois en Dieu. Oui, bien. Attends, tu portes ta foi, tu as une croix à l'oreille. Non, ma foi est dans le cœur. Ah. Tu vois, ça n'a rien à voir avec les machins, tout ça. Si. Dieu est dans le cœur. Donc, comme je le disais, je suis arrivé à l'église. Donc, le pasteur, il était là. Il a prêché. Ce qui me plaisait, c'est que quand le gars arrivait, on bouscule tout le monde. On te bouscule. Il y a les gars du corps, mon frère. C'est le demi-dieu. C'est qui demi-dieu? Il dit que c'est Dieu. Donc, on te bouscule. On te pousse. Les gens tombent. Et puis, il dit qu'il suffit juste de toucher sa veste. Toucher quel que soit le mal dont tu souffres. Quel que soit le mal dont tu souffres. Je souffrais de la galère. J'ai tout fait de toucher la veste. Ça n'a pas changé. Mm-hmm. La galère. La galère. Tu es rentré avec à la maison. Ouais, je suis rentré avec à la maison. Quelques années plus tard, moi, j'ai travaillé, compris que la galère n'avait pas besoin du pasteur. Donc, du coup, il y a les pasteurs aujourd'hui qui se permettent de délivrer nos sœurs. Et on sait tous bien comment. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. Il te délivre avec une pénétration. C'est quoi? Il te délivre en profondeur. Et il insiste pour que ce soit non protégé. Ça, c'est les pasteurs même qui m'intéressent. Les pasteurs qui m'intéressent. Mais c'est vrai, en plus, qu'on a circulé sur les réseaux sociaux plein de cas comme ça. Moi, j'ai vu la dernière fois, je sillonnais Facebook et j'ai écouté les paroles d'un pasteur qui m'a choqué. Mais alors, qui m'a choqué. Quand je dis choqué, c'est choqué. Il disait, je cite, dit que c'est ce pasteur, le pasteur. Qui vous a demandé de croire en Dieu? Pourquoi croyez-vous en Dieu? Qui êtes-vous? J'entends les gens dire, Dieu m'a parlé, Dieu m'a révélé. Mais qui êtes-vous? Croyez en votre pasteur et votre pasteur parlera à Dieu pour vous. J'ai été traumatisé. Voilà. Croyez au pasteur et le pasteur parlera à Dieu pour vous. C'est-à-dire, il demande qui vous a dit de croire en Dieu, que Dieu ne te connaît pas. C'est le porte-parole. C'est le porte-parole de Dieu. Donc, des grâces. Il y a encore de bons pasteurs ici. Ouais, il y a ceux qui croient vraiment en Dieu, qui font de bonnes choses avec la main de Dieu. Ouais. Et il y a des grands escrocs, des bandits de grands chemins. Ceux qui passent au temps à excuser nos mères, elles quittent à l'église, elles quittent le marché le soir à 17h, elles vont à l'église à 18h, elles reviennent à 5h, elles repartent à 6h pour faire la prière, elles reviennent à 18h. Elles s'occupent de son enfant quand, de son mari quand, de la cuisine quand. Vous prenez tout son petit argent, franchement de grâce. Femmes, hommes, enfants, quand vous priez, demandez à Dieu de vous donner l'esprit de discernement. Amen. De pouvoir discerner le bon du mauvais pasteur. Ah, voilà. Et puis c'est chiant, c'est bordélique. Voilà. Merci en tout cas pour ce coup de gueule-là. Un message d'Ove, trop vrai quoi. Il y en a qui le font pour influencer les autres, mais ceux qui sont à moto sont aussi des êtres humains. C'est de la part d'Olivier depuis Tocoince et Bévito. Alors on a d'autres messages pour justement participer au jeu. Ils sont nombreux à avoir envoyé les noms des rubriques.
si tu permets, je vais rapidement lire. On a, oh là là, bon, je vais passer au message suivant parce qu'il y a trop de messages. Ce qui m'énerve, c'est quand Dov essaie de me séduire en direct à travers ses explications. Pardon, je ne suis pas une fille facile. Bon, nous, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas savoir. Voilà. Alors, salut la pause, juste dire à toi, la tata qui anime l'émission, que tu es trop mignonne. Également à Sandrine, qu'elle est super belle. Et nous donc. Il dit également un joyeux anniversaire à Damien Chevy. Bonne émission à vous les hommes. Merci. Vous avez un message pour vous également. Alors, les rubriques, bise, art, défi mode, qui fait quoi sur le net, espace annonceur, ça c'est un voleur. Il a suivi l'émission d'aujourd'hui. Voilà. Alors, on va conclure quand même ce qui m'énerve. On va conclure ce qui m'énerve avec le dernier point. Mm-hmm. En fait, et c'est un point qui est très récurrent, c'est chaque jour qu'on voit ça. En fait, c'est un truc qui est là chaque jour dans notre environnement, ce sont les voisins aigris. Jaloux, frustré. Tu arrives, tu lui dis bonjour, il ne te répond pas. Pour rien. Pour rien. Le jour où tu ne dis pas bonjour, il fait. Et parfois, quand tu passes, il y a des types. Ils se mettent quand tu passes, ça éclate des rires. Juste pour te montrer qu'on parle de toi, en fait. Mmh. Tu vois, pour rien, en fait. Tu passes, tu dis bonjour, ils ne te regardent pas. Mais en fait, c'est des personnes généralement qui s'ennuient. Des personnes dont la vie est triste. Ils ont une triste vie. Et ils sont là à s'ennuyer, être malheureux eux seuls, à se créer tous les problèmes du monde et à projeter là leur problématique sur toi qui semble marcher heureux, jeune, ambitieux. Tu as des rêves. Non, frère, quoi, je te dis. Il y a des femmes qui sont assises comme ça devant le portail. Je sais ce que je dis. Devant le portail, tu passes, elles t'insultent. Tu repasses, elles te réinsultent. Et parfois ils mettent même les enfants dedans. L'enfant devient impoli, l'enfant te parle mal, il rit pour rien, il te parle mal. Tu es là, tu dis bonjour. En fait, c'est inutile. Le savoir vivre, parce qu'il y a un truc qu'on ignore, c'est que ton voisin est parfois plus proche que ton frère. Ouais. Ce qui fait que quand tu tombes, il y a un truc qui est là, tu dis bonjour voisin. Un bonjour, ça ne tue pas. Bonjour. Vous n'êtes pas obligé d'être ami, vous êtes obligé d'être courtois, poli, parce que la vie en société exige ça. Le bonjour, ça ne tue pas. Enrichis celui que tu croises avec un sourire. C'est très important. Voilà. Donc voilà. Prochainement, les voisins aigris, disons-nous bonjour et arrêtons les polémiques qui n'ont pas lieu. Tout simplement. Et puis, vous pourrez également aller acheter la place de 50 000 au paradis des hommes. Non. Moi, je vends deux places à 75 000, la promotion. Merci beaucoup. Alors, on va continuer cette émission. Rassurez-vous, les messages viennent et on va pouvoir répondre justement à toutes vos questions. Nous allons partir à présent pour la plage publicitaire couplée de l'intermède. Et juste après, on retrouve Miss Mécano et ses invité pour nous parler du permis de conduire moto. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir, contactez-nous sur la pause au 00 228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à laposeemissiontv@gmail.com. Aujourd'hui, jeudi, en tout cas, je suis honorée d'être entourée par de très, 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 très belles hommes sur le plateau et je ne veux pas en dire plus. Hein. Habillés ou en civil, ils sont canons. Et maman Suzanne est la plus belle aujourd'hui. Je dis ça sagement. Bonjour maman Suzanne. Bonjour Océane. Comment vous allez ce matin? Je vais très bien, merci. D'accord, merci, je vous souhaite la bienvenue dans la pause. Merci. Miss Sandrine, Miss Mécano. Rebonjour à tous les téléspectateurs et merci à nos invités. Mm-hmm. Ça fait quelques jours que je leur cours après. Aujourd'hui, ils sont là et comme on dit souvent, la drague. Voilà. Comme on dit souvent, chose promise, chose due. Donc aujourd'hui, nous avons Monsieur
Firmin Dago, oui, qui est là en tant qu'usager de la route, mm-hmm, qui a déjà passé le permis. Il va nous dire exactement comment est-ce que, quel visage cela a sur le terrain. Nous parlons de permis de conduire moto. Moto, exactement. Mm-hmm. Et nous avons mes respects chef, nous avons l'adjudant Toi Essosimna, qui est chef section de la division de la sécurité routière, Lomé. Donc, avec ces deux personnes, je pense qu'aujourd'hui, qu'on va donner plus de détails, en plus de détails, plus de réponses, et je pense que la population devrait être satisfaite et pourra passer à l'action. Voilà, d'accord. Ben, une fois encore, soyez les bienvenus. Moi, je suis Toutoui, j'ai un vélo. Quand est-ce qu'on passe au permis de conduire vélo? Et pour les piétons? En danger. On regarde à gauche et à droite. Et puis pour le reste, on fonce. Voilà. Alors, Miss Mécano, oui, on fonce pour les questions. Exactement. Mm-hmm. On va directement dans le vif du sujet. Dites-nous, monsieur Toi, ou bien l'adjudant Toi, à quel niveau êtes-vous du processus exactement depuis que le ministère de la Sécurité a décidé que tous les motocyclistes aient le permis de conduire? Mm-hmm. Voilà, je vous remercie pour votre question. Et le processus est déjà enclenché, c'est-à-dire le dépôt de dossier est déjà dépassé. Le dépôt était prévu du 2 septembre au 20 septembre. Mm-hmm. Donc, actuellement, nous sommes à la phase contrôle sensibilisation, c'est-à-dire on appelle les gens pour l'utilité de ce document qui a fait le dépôt de dossier. Sensibilisation. C'est vrai que en début de semaine, on avait parlé vraiment énormément de la sensibilisation. Et beaucoup de téléspectateurs disaient qu'ils n'avaient pas les vraies informations par rapport au prix. Exactement. Et aux inscriptions pour. D'où la deuxième question, oui, c'est quoi le coût et quels sont les dossiers à fournir pour pouvoir passer ce permis? Voilà, cette fois-ci, le permis de conduire motocycliste catégorie A, il n'y a pas un coût tellement exorbitant. Le gouvernement de la prise en charge la formation. Donc, quand vous déposez les dossiers, on vous appelle, oui, on va contrôler la recevabilité de vos dossiers. Et dès qu'on vous convoquera, vous allez passer à la phase de formation. Et après la formation, vous serez examiné. Voilà. Mais très soucieux de la jeunesse, le gouvernement a réduit le prix de la quittance. Mm-hmm. Auparavant, c'était à 10 500, mais maintenant, c'est revenu à 5 500. 5 500. Voilà. D'accord. 5 500. Il faut préciser, c'est à 5 500. La quittance. Il ne faudrait pas qu'on vous dise que ça dépasse 5 500 nulle part, ce serait de la faute. Exact. Vous avez la possibilité de signaler justement partout, si vous voyez des forces de l'ordre, dites-leur que quelque part, on vous fait payer pour le permis 20 000. Voilà. Et attraper les gens là, c'est de la faute. D'accord. Donc, déjà, merci pour cette information. J'espère que tous les téléspectateurs ont pris note. Maintenant, monsieur Firmin, dites-nous, vous qui avez déjà passé le permis, mm-hmm, comment est-ce que cela s'est passé en quelques mots? Alors, disons que après que le ministre ait lancé le mot d'ordre, on va le dire comme ça, donc l'équipe de Lbala, bien évidemment, a voulu qu'on puisse aller sur le terrain et voir comment ça se passe. Donc, on est allé dans une auto-école, MCAF, et que nous saluons au passage parce qu'eux, ils ont voulu nous prendre gratuitement. Gratuitement parce qu'à l'époque, c'était les auto-écoles qui prenaient en charge la formation et le dépôt des dossiers. Mm-hmm. Parce que c'était les auto-écoles à créer. Donc, pour le dépôt des dossiers, moi, j'ai juste payé les 10 500 francs. D'accord. Les 10 500 francs, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit, les gens disent que si vous avez un permis B, vous ne passerez plus le code, mais vous passerez la pratique moto. Mm-hmm. Pour ma part, j'ai mon permis B depuis presque 10 ans. Et le permis A que j'ai passé en réalité, eh bien, j'ai passé le code. Normalement. Normalement, j'ai passé le code.
Donc, c'est l'auto-école agréée qui s'est occupée de mon dossier. On m'a juste appelé pour aller prendre des photos au niveau de la DTRF. Oui. Donc, je suis allé à la DTRF pour prendre une photo. Et deux jours après, c'est la DTRF même qui m'envoie un message pour la programmation. Et dans ce message, on a envoyé le numéro de ma carte d'identité, mon nom, le centre d'écrit où je devais composer, mon numéro de groupe et puis l'heure. Mais tout en me précisant qu'il faut venir une heure avant le début de l'examen. Donc en réalité, pour ma part, c'est ce qui s'est passé. Donc je suis allé dans ce centre de Léamont où j'ai passé le permis, l'examen de code. Oui. Donc c'est deux jours avant qu'on m'envoie le message pour me dire d'être là, une heure avant le début. Oui. Donc je suis allé, j'ai effectivement passé ces 20 questions qu'on a posées. Pourquoi je suis passé par une auto-école ? Parce qu'il fallait quand même que je puisse réactualiser mes connaissances. Oui. Dans le temps, on faisait, disons, le code, la mécanique et puis la conduite. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, c'est le code et la pratique moto. C'est vrai que dans le code, on a mis certaines questions de mécanique, certes, oui. Mais c'est le code que j'ai véritablement passé. Donc, c'est 20 questions. Une question pendant une minute, c'est-à-dire que vous avez une minute et puis vous voyez le questionnaire à l'écran et puis vous répondez sur le papier qu'on vous donne. D'accord. Donc, j'ai passé le code et disons une semaine après, on m'envoie un message pour me dire « Monsieur Dogo, vous avez réussi au test du code, vous vous présentez le lendemain pour la phase pratique. Mm-hmm. » Il faut conduire la moto. Il faut conduire. Donc, quand nous sommes allés à la DTRF, parce que c'est là où on devait véritablement conduire la moto, pour passer donc cette pratique moto, eh bien, il y avait l'examinateur qui était là, qui a donné les instructions. Les instructions, il les donne. Le casque ne se met pas sur la moto. Vous restez sur la moto et vous roulez. Il y a en réalité deux ronds-points. Mm-hmm. Enfin, deux ronds-points, c'est une simulation. On a mis deux ronds-points en place avec des balises dans lesquelles... Un circuit. Voilà, un circuit, voilà. Voilà. Donc, il y a un circuit qui est tracé. Vous devez passer entre les balises et vous ne déposez pas les pieds par terre. C'est-à-dire qu'en faisant le tour du rond-point, la simulation qu'on a posée dans le circuit, mm-hmm. vous faites le tour du rond-point sans déposer les pieds par terre. Mm-hmm. Donc, comment vous maîtrisez, à quel degré vous maîtrisez la moto. Effectivement, voilà. c'est en réalité pour voir cela, pour voir notre degré de maîtrise. Donc, on vous donne le top et vous démarrez. Voilà, donc nous avons même le circuit. Voilà, des photos. Mm-hmm. Donc vous passez, il y a le cercle même qui est par terre, enfin il y a disons un schéma qui est par terre qui montre en réalité là où il faut passer. C'est vrai mm-hmm. que l'examinateur, il a fait la démonstration. Lui-même, il passe le circuit du début jusqu'à la fin. Mm-hmm. Et à vous maintenant de jouer votre partition. Mm. Et donc, dans les bonnes grâces, on est passé, voilà, on a suivi le processus, on est passé par les balises et voilà. Par terre, au premier rond-point, il y a un cercle qui vous dit, il faut contourner. Mm-hmm. Donc, vous contournez une fois le rond-point et vous passez par les autres balises jusqu'au niveau de là où il y a la banque, la BTCI. Voilà. En tout cas, ça a l'air plutôt facile. Hein. Je crois même que c'est comme un petit jeu quand même, si vous avez envie de vous amuser. Bah, normalement, si aujourd'hui on vous demande d'avoir le permis de conduire moto et que vous conduisez votre moto depuis des années, ça devrait être juste une petite formalité de rien du tout et puis on passe à autre chose, je me dis tout simplement. En tout cas, les messages sont aussi en train d'arriver. Quelqu'un qui dit, et aussi nous qui avons déjà fait le dépôt, mais il y a plus de deux semaines et aucun SMS ni appel, voilà. Comment est-ce qu'il faut réagir? Oui, effectivement, actuellement, comme vient de le dire notre frère, lui, il a passé le permis en ce moment via les auto-écoles agréées. Mm-hmm. Mais actuellement, le gouvernement a, par une note du ministre des Transports, oui. a dessaisi mm-hmm. provisoirement les auto-écoles. Donc, et il a pris en charge de former les gens et de les présenter en attendant d'harmoniser les modules de la formation. Oui. Et voilà. Donc, quand on parle de ceux qui disent qu'ils ont laissé les dossiers oui, et ils n'ont pas encore eu un feedback, mm-hmm. c'est vrai. On est à un stade où
la structure chargée du permis, c'est-à-dire le DTRF, oui. Ils sont en train de former les moniteurs qui vont former tous ceux qui ont déposé, fait le dépôt de dossier. D'accord. Donc, harmoniser ou bien sortir, élaborer un programme beaucoup plus conforme ou bien qui répond plus à la, aux aspirations du ministre ou bien du gouvernement afin que on puisse voir, après avoir étudié la recevabilité des dossiers, les convoquer par vague. Oui. Parce qu'il faut aussi voir dans quel local et combien de personnes on pourra, pourra former dans combien de temps et avant de les convoquer. D'accord. Donc, c'était pour il y a un message, oui. Si tu permets. C'est vrai que ce n'était pas prévu, c'est une question subsidiaire. Qu'est-ce que vous faites pour les personnes qui n'ont pas d'acte de naissance ou de carte d'identité? Oui, la question a été déjà résolue. Le gouvernement, lors de notre première sensibilisation, les gens nous ont remonté leur doléance qu'on a fait parvenir aux autorités et d'où le gouvernement a pris des mesures. Vous allez voir qu'il y a des forums qui se sont qu'on a organisé, oui, voilà, de la justice jusqu'à du certificat d'origine jusqu'à l'obtention de la, du certificat de la nationalité. Donc il y a des forums qui sont en cours s'ils vont pour combler les aspirations de ceux qui sont dans le besoin. Dans le besoin. Ouais. D'accord. Alors, un téléspectateur qui dit bonjour. Selon les rumeurs, il paraît que même pour la réception des dossiers, c'est la croix et la bannière. Sur ce, il y a des démarcheurs qui prennent quelque chose afin de vous aider à ce qu'on accepte votre dossier. Est-ce que c'est vrai et c'est de la part de monsieur Innocent? Bon, enfin, ça, ça a été clair. Les lieux de dépôt, on a dit, dans les préfectures, c'est au bureau des préfectures, voilà. et au bureau décentralisé de la DOSI, où il faut déposer les dossiers. Voilà. À Lomé, ici, c'est à la direction de la DOSI et à la direction des transports routiers. Voilà. Et dans les régions, nous avons les unités décentralisées de du transport routier et les directions régionales de la DOSI. Voilà. Donc, tout est légal. Il ne devait pas avoir un intermédiaire. Du tout pas. Non. Voilà. Alors, il y a un autre téléspectateur qui dit dites-nous, s'il vous plaît, quand est-ce qu'on peut déposer les dossiers, car vous aviez dit tout à l'heure que le dépôt est suspendu depuis le 20 septembre. Oui, effectivement. Pour cette première phase, ceux qui n'ont pas pu faire le dépôt, il faut qu'on évacue tous ceux qui ont fait le dépôt d'abord, avant de pouvoir relancer une deuxième vague. Une deuxième. Donc, ils doivent apprêter ces documents et être à l'écoute incessamment. Voilà. Et justement, en parlant de documents dont on a besoin pour aller faire le dépôt, on peut revenir sur justement les pièces à fournir pour le dépôt. Oui. Les pièces à fournir, pour postuler, vous devez fournir deux photos passeport à fond blanc, une photocopie non légalisée de votre acte de naissance, une photocopie non légalisée de votre carte d'identité nationale. Et si vous avez un permis dans une autre catégorie que celle de moto, c'est-à-dire celle d'Anna, vous photocopiez ce permis que vous joignez. D'accord. Pour que, après la réussite à la production, qu'on vous reconduise les permis qui ont été obtenus antérieurement. D'accord. Voilà. Et bien sûr, on a la quittance qui est à 5 500 francs CFA. Voilà. Alors, bonjour La Pause, bonne émission à vous pour la pratique. Et ceux qui n'ont pas été à l'école, ils font comment pour... Alors on a répondu à ça. Il y a quand même un programme qui a été lancé par le gouvernement qui vous permet d'avoir aujourd'hui votre acte de naissance, même jusqu'à la nationalité. Il vous suffit de vous rapprocher de ce programme-là pour être servi. Un autre message, je vais le lire rapidement. Vous permettez aussi, allez-y. Je pense qu'il faudrait rappeler. Moi, j'ai passé le code dans la catégorie foncée, voilà.
ou en français. Voilà, oui. Voilà, j'ai passé le code en français. Je pense que la question du téléspectateur, oui, c'était par rapport à la langue. Voilà. Il y a le français, il y a l'évé, il y a le kabyé, il y a le moba, et il y a le kotokoli. Ah, donc je pense que les langues nationales également sont là. Moi, j'ai passé le mien en français. Donc ils ont la possibilité pour leur part de le passer dans les différentes langues nationales qui sont là. Oui. D'ailleurs, ils ont le choix de langue. Voilà. Alors, au dépôt, vous devez matérialiser ça sur la chemise qui contient vos dossiers, la langue dans laquelle vous souhaiterez passer. Votre permis, voilà. Alors on va quand même, oui, s'il y a une dernière question, bien sûr, sinon. Il n'y a pas de question. Moi, je voudrais tout simplement demander à l'adjudant de dire quelque chose à l'endroit de la population. Un petit rappel des lieux de dépôt déjà. Oui. Oui, effectivement, pour les lieux, bon, c'est déjà clôturé, mais quand même, nous allons revenir là-dessus. Donc, il fallait faire les dépôts à Lomé, à la direction des transports routiers et ferroviaires, la DTRF. Ou à la direction de la DOSI, voilà, dans les préfectures, au bureau de la préfecture, ou bien dans les DOSI des préfectures, dans les régions, oui. Dans les unités décentralisées de transport routier, et dans les bureaux de la DOSI régionale. Voilà, alors une autre question encore, est-ce que les mineurs sont autorisés à passer le permis de conduire moto? Non, le permis est exigé à partir de 16 ans. À partir de 16 ans, oui. Voilà. Donc c'est bon. S'il vous plaît, pour ceux qui ne passeront pas le permis pour faute de retard, une fois arrêté en circulation pour faute de non-permis de conduire, comment cette personne va devoir s'y prendre? Mais il faudra expliquer. Non, mais au fait, le retardateur a toujours tort, oui. Néanmoins, c'est pourquoi il y a une large un temps qu'on a accordé aux gens pour qu'ils puissent se mettre à jour. Oui. Donc actuellement, on n'a pas commencé les sanctions, on fait juste le contrôle et sensibilisation. Voilà. C'est pour rappeler aux gens que effectivement cette affaire est sérieuse, ça concerne tous les motocyclistes. Voilà, ce n'est pas, il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est ceux qui font ça à but lucratif, non. Non, pas du tout, non. Pas du tout. Et puis après, c'est pour également la sécurité hein, en circulation, voilà. C'est pour notre bien. Alors, quelqu'un qui demande qu'on revienne encore sur l'obtention du certificat de nationalité, où est-ce qu'on peut retrouver le programme? On rappelle rapidement cela et puis après on va vous remercier. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir son certificat de nationalité si on ne l'a pas? Bon, sincèrement, je pense qu'il va s'adresser au service de sceau de la nationalité. Donc, moi, je ne suis pas dans le domaine. Je crois quand même que de l'autre côté, ils auront les réponses à leurs questions. Voilà. Alors, voilà, on vient de répondre à ça également. Il y a tellement de questions qui se rejoignent, mais nous allons quand même remercier l'adjudant d'avoir accepté d'être dans cette émission avec nous et surtout d'avoir accepté d'éclairer nos chers amis téléspectateurs par rapport à la formalité ou aux différentes formalités pour avoir enfin son permis de conduire moto. Également, merci à notre invité, M. Firmin. C'est un remerciement partagé. Je voudrais juste rajouter que la DTR vous enverra un message. S'il vous plaît, il faut avoir son portable allumé. Vous n'avez pas le droit de dire que le portable est éteint. Parce que pour passer la pratique moto, c'est juste la veille comment envoyer le message. Et puis, éviter ces temps-ci de voyager. Parce qu'à tout moment, on peut vous envoyer un message pour passer la phase code. Et puis, bon, si vous réussissez, ce n'est pas de la mer à boire, ce n'est pas aussi très compliqué, mais il faut juste s'y mettre. Voilà. Faut juste s'y mettre. Miss Mécano, conclusion. Merci aux invités. Merci d'avoir répondu, comme tu as dit, aux questions des téléspectateurs. Et je pense que beaucoup aussi dans le studio avaient des questions par rapport à ce sujet. Merci. Donc, pour les téléspectateurs qui n'ont pas, ceux qui n'ont pas eu de réponse, et tout, je leur dis juste de mettre leurs questions sur la page Facebook Miss Mécano et je reviendrai avec plus de détails et toutes les réponses. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Adjujan, j'ai une question pour vous. En sort du contexte permis de conduire et on revient maintenant à ce qui est permis dans le couple ou pas. Votre soeur qui vient vers vous et qui vous dit, votre soeur ou votre fille qui vous dit, papa, il y a deux hommes qui me font la cour, j'ai l'âge de me marier, mais il y a un qui me bat, potentiel batteur, et il y a l'autre qui me trompe à longueur de journée, je veux faire un choix. Lequel vous lui choisirez?
Non, mais il faudrait que le choix est clair. Je ne vais pas prétendre que mon beau soit un menteur. Mm-hmm. Voilà. Bon, battre, on peut corriger ça. Mm-hmm. Mais le mensonge, ça peut amener... À de graves extrêmes. Voilà, des extrêmes. Donc, battre, bon, on peut quand même le ramener, le raisonner jusqu'à ce que l'effet de colère ou bien l'effet de violence diminue. Voilà. Bon, donc, après... Vous serez d'accord que votre fille accepte le monsieur qui la frappe plutôt que celui qui est infidèle? Oui. Non, ce n'est pas... Bon, le mensonge, il y a tout hein, dedans. Infidélité. Tout ce qui est vice comme mensonge. La mort, tout. Voilà, donc, moi, c'est mon humble avis. Hein. Mais une chose est certaine, votre beau-fils n'oserait même pas lever la main sur votre fille. Au risque de se retrouver où, mais quand même, sérieusement. On ne bat pas l'enfant de n'importe qui. Hein. Ou bien, voilà, tout simplement. Alors, on va passer rapidement pour le jingle de pause conseil. On revient juste après pour retrouver maman et faire une conclusion du sujet qu'on a lancé en début de semaine. Entre un homme qui vous bat et celui qui est infidèle, est-ce qu'il faut faire un choix? S'il faut le faire, lequel? C'est parti. Voilà, alors, entre celui qui tape et celui qui bat, lequel... Enfin, non, entre celui qui tape et qui bat, c'est la même chose. Entre celui qui tape et celui qui trompe, lequel on pourrait choisir? L'adjudant, ça c'est lui de finesse. L'adjudant, il a dit que celui qui bat, on peut le ramener à la normale. Et j'ai confiance en lui quand même, parce que lui, il sait appliquer la loi. Il sait de quoi il parle. Voilà, maman Suzanne, bonjour. Bonjour aussi. Comment vous allez? Bien. D'accord. Mmh. Alors, notre téléspectatrice ont répondu à votre message là, en début de semaine. Beaucoup n'ont pas été d'accord avec vous. Mm-hmm. Elles ont dit, non, un homme qui bat peut se corriger, mais un homme infidèle, c'est pas toujours évident parce qu'il y a toujours de belles femmes dehors. Donc, il aura toujours sa libido au point. Alors, est-ce que vous pensez qu'un homme qui bat peut se corriger réellement ou pas, maman Suzanne? Un homme qui bat... Pour qu'il se corrige, bon, c'est un peu difficile, hein? C'est un peu difficile. On a vu des hommes qui ont battu leur femme toute leur vie et sur leur lit de mort, ils ont continué à battre leur femme. Et ouiller leurs enfants avec. Aïe, ouais. Aïe, aïe, un package. Il y avait un monsieur qui battait sa femme, mais il a vieilli avec cette histoire. Et il avait continué. Oui, quand il est devenu vieux, il était malade de la maladie qu'il a emportée. Et son petit frère lui avait donné une canne pour se déplacer. Malheureusement, il n'arrivait plus à se déplacer. Il était cloué au lit. Sa canne était à côté de lui. Oui. Mais chaque fois que quelqu'un faisait quelque chose qui ne lui plaisait pas, il lui donnait un coup de canne. Alors, cet homme, déjà, on considère que lui, il n'a pas pu changer ce mauvais comportement toute sa vie. Mais est-ce que c'est généralisé? Est-ce qu'on non, a... ce n'est pas généralisé. Voilà. Ce n'est pas généralisé. Bon, comme tout le monde dans la vie, on peut avoir un caractère, une habitude qu'on peut finir par changer. Mm-hmm. Bon, mais je trouve que dans les histoires de foyer, à quel prix... J'ai posé cette question la dernière fois. À quel prix vous allez vous sacrifier? Voilà, à quel prix? Comment vous allez souffrir? Combien de temps vous allez souffrir avant qu'il ne change? Mm-hmm. Bon, mais l'espoir est permis. Oui, oui. C'est une question individuelle, c'est un choix individuel. Chacun fera son choix. Pour celles qui supportent d'être battues, en tout cas, moi, je ne supporte pas ça. Alors, maman, c'est ça.
Il y a d'autres femmes qui ont dit également que le fait de se retrouver dans un foyer violent n'est pas délibéré, ce n'est pas un choix délibéré. Ça peut être conditionné peut-être par la perte de travail de monsieur, une situation qui le rend nerveux, par... voilà, c'est, comment je vais dire, circonstanciel. Et donc, tout de suite, on ne se décide pas à ramasser ses bagages et à rejoindre les parents, mais on travaille sur l'amélioration des conditions pour emmener monsieur à comprendre que ce n'est pas une bonne pratique. Vous y mais croyez? Bien sûr, nous avons parlé de choix. Bon, si et c'est pendant les fréquentations que vous remarquez que ce monsieur-là est violent, il est physiquement violent, il est verbalement violent, vous pouvez faire votre choix par rapport à cela. Oui. Bon, maintenant, si vous êtes déjà dans le foyer, vous êtes dans le foyer, avant de découvrir ce mauvais côté-là du monsieur, bon, personne ne peut vous dire de partir. Et personne ne peut vous dire c'est de partir. C'est un choix personnel. Voilà, c'est un choix personnel. Voilà. C'est un choix personnel. Est-ce que vous décidez de partir, de laisser vos enfants à sa merci? Est-ce que vous décidez de partir? Avec les enfants. Voilà, il y a des enfants. S'ils vous laissent des enfants qui vivent avec un monsieur violent. Attention. Comment ça peut se passer? Et quel message ou quelle image vous adressez à ces enfants qui n'ont pas demandé à être là? En tout cas, nous avons notre chère Alice depuis le Gabon qui dit « Moi, je préfère un homme qui me bat que celui qui est infidèle. » Voilà, tout simplement. Alors, on dit en éveil, quand un aveugle vous dit qu'il va vous lancer une pierre, c'est qu'il a déjà le pied sur la pierre. Alors, chacun décide de rester où il semble avoir les armes nécessaires pour aller en guerre. Alors, un autre message, un homme qui bat est un tueur à gage. Un homme infidèle est aussi un tueur avéré qui finira par te donner un AVC. Alors, les deux ne valent pas la peine. Et si tu te retrouves dans ces deux cas, ma sœur, alors, s'il te plaît, reste et meurs célibataire, tout simplement. Voilà. Alors, à mon point de vue, je préfère celui qui bat puisqu'on lui, on connaît son caractère. Mais le menteur, on ne sait pas à quel mensonge s'attendre. Il est dangereux que celui qui bat. Bon, voilà. Et ce sont des hommes, cette fois-ci, qui réagissent par rapport à ça. Ils se défendent eux-mêmes, tout simplement. Alors, maman Suzanne, je vais vous laisser conclure sur le sujet aujourd'hui. Homme qui bat ou homme qui trompe, le choix est à faire, oui ou non? Le choix est difficile à faire. En tout cas, moi, je n'ai envie ni de l'un ni de l'autre. Moi, pareil. Ni de l'un ni de l'autre. Mais les gens qui battent leur conjoint doivent savoir que maintenant, la loi s'invite dans nos familles. La loi s'invite dans nos familles. Les femmes battues, les femmes violentées ont le droit de porter plainte au jour d'aujourd'hui. Et les peines commencent à s'alourdir au fur et à mesure. Donc, nous devons faire attention. Voilà. Hein? Les peines encourues deviennent lourdes. Voilà. Au sein de la famille, nous avons des droits. Oui. Nous avons des droits. Les enfants ont des droits au sein de la famille. La maman a des droits au sein de la famille. Oui, et on peut les réclamer facilement. Voilà, le mari également. Donc, en tout cas, merci maman Suzanne. Merci pour votre grande sagesse. Merci à tous les téléspectateurs. Et avec Miss Mécano, nous allons revenir quand même sur un complément d'information. Les questions qui sont venues, c'est de rappeler les lieux de dépôt et également de voir si on peut revoir le délai de dépôt pour ceux qui n'ont pas pu faire le dépôt. Et on va revenir également sur le siège de la DOSI pour les actes de naissance. Merci à Dove, merci à Sandrine, merci à Mentor, merci également à Wiz. Et merci à vous, chers amis téléspectateurs. Ça part pour demain. On va donner les résultats et vous allez pouvoir venir chercher vos lots, tout simplement. Au revoir et à demain. Bon appétit.